Salut, c'est Komi AZ. Aujourd'hui, on va parler d'un streamer qui est parti en vrille après ce qu'un viewer lui a dit. Je vais vous résumer ça tout de suite et on va aller un peu plus loin après. Donc, pour résumer, un streamer parle à un viewer en lui disant que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu et le viewer répond que sa mère est morte. Et en lisant ça, le streamer part en vrille sur une leçon de morale absolument lunaire et lui dit qu'il veut pas de ça dans son chat. En plus, on est vendredi. Ouais, moi non plus, je vois pas le rapport. Voilà, la vidéo est en source dans la description si vous voulez la voir, c'est en anglais, mais j'ai résumé simplement l'affaire ici. Maintenant, des gens essayent de défendre le streamer et ça me fait beaucoup rire parce que ça tient pas du tout. Clairement, il y a des torts des deux côtés. Du premier, le viewer a eu tort de révéler sa vie privée à un endroit public, mais bon, d'un autre côté, on a un streamer qui s'en bat les steaks et en plus se permet de faire la morale de manière hautaine et incompréhensible. Non mais sans déconner, même Al9000 aurait pas osé réagir de cette manière, quoi, c'est dingue. Ouais, mon avis est assez tranché entre les deux, vous m'excuserez. Surtout que bon, il lui a demandé pourquoi la personne n'était plus là, elle n'a fait que répondre. Dommage, la réponse attendue n'était visiblement pas celle-là. C'est toujours le même délire avec ce côté hypocrite des gens qui te demandent comment tu vas mais s'en fichent en réalité totalement. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Alors, certains ont rappelé que les streamers ne sont pas vos amis, oui, c'est vrai. Maintenant, vu qu'ils vivent grâce à l'argent de ces personnes, je pense que se comporter comme le dernier des chiens avec eux est pas forcément la meilleure idée, mais bon, je suis pas doué en marketing. Mais surtout, est-ce que ça lui coûtait vraiment beaucoup de juste répondre ah merde, désolé et de retourner à son jeu? Bah non, je crois pas. Et l'excuse de ouais, mais c'est un streamer, je suis pas sûr que si j'insulte un mec dans la rue avec cette excuse, elle marche. C'est absolument pas une justification, faire preuve d'empathie, ça devrait être la base d'un être humain. Lui n'a pas dû recevoir suffisamment de leçons de morale par contre. Surtout que bon, sur internet, tout le monde a tendance à porter un masque, donc si là il porte un masque, je préfère pas imaginer ce qu'il y a dessous. Bref, franchement, cette affaire me sidère et ça me donne encore une bonne raison de plus de pas regarder des streams. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires, partager la vidéo, vous abonner pour ne rater aucune vidéo, laisser un j'aime et activer la cloche. C'était Komi AZ, ciao!